C'est qui qu'on appelle Madeleine? C'est qui? Who is called Madeleine? Madeleine, c'est qui? C'est qui Madeleine? Who is Madeleine? Qui dans sa vie a connu quelqu'un qu'on appelait Georges? Has known someone called George? Est-ce qu'il y a quelqu'un comme ça parmi vous? Is there qui a connu like this, un Georges? That known oui, a George. Daddy. C'était qui? Who was that? C'était un camarade de terminal C. Et à la Cantel, quand je faisais le stage, il était également stagiaire à la Cantel. Et pourquoi quand j'ai parlé tout à l'heure, vous êtes allé vous asseoir? En fait, parce que je n'avais aucune relation particulière avec lui. Vous n'aviez pas une relation particulière avec lui? Oui, papa. Vous êtes sûr? Oui, daddy. D'accord. Il ne vous avait jamais abordé? He never came near you. Non, daddy. Il ne vous avait jamais abordé? Pas du genre amicalement. Pas du genre? Trop amical, non. C'était quoi? Du genre? Style trop études et professions stagiaires. Il vous avait jamais apprécié. He never appreciated you. Il m'appréciait you. Beaucoup. Jesus. Il vous appréciait beaucoup, hein? He appreciated you a lot. Vous appréciez beaucoup, ça veut dire quoi? What does it mean to appreciate you? Je l'appréciais également. Bon, je n'avais jamais. Vous l'appréciez aussi également. Oui, d'accord. Also appreciated. Donc vous vous appréciez. So you appreciated each other. Vous êtes avec un homme? Are you with a man? Absolument, oui, daddy. Il est où? Where il is est he? À l'est à Bonbon. Vous avez peur de lui? Do you fear him? Pas tellement. Donc Georges vous appréciez? Oui, daddy. Vous l'appréciez aussi? Oui, daddy. Quand je dis vous l'appréciez, ça veut dire quoi? J'avais tellement d'estime pour lui parce qu'il était un peu vrai. Il était? Et vrai, vrai, vrai dans sa façon vrai. D'être. It was true. Moi aussi, je suis vrai. Elle appréciait George et George l'appréciait. She appreciated George and George appreciated him. Et ils s'appréciaient. And they were appreciating each other. Est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui apprécie quelqu'un qui l'apprécie? Regardez, vous étiez en terminale avec lui, c'est ça? You were in upper oui, seat with him. Hein? Oui, daddy. J'ai fait la terminale avec George. Oui, daddy. You were in upper seat with George. Est-ce que je peux vous parler un peu? Can oui, I daddy. Speak to you a bit? L'Esprit de Dieu m'a amené. Je veux prier avec vous. The Spirit of God took me. I want to pray with you. Vous avez quel rapport avec la tenue? La tenue. What relation do you have with the uniform? J'ai fait un stage à la cour d'appel avec les. Hein? J'ai fait un stage un stage à la cour d'appel, un stage académique à la cour d'appel. J'étais entouré des hommes en tenue. Vous étiez entouré des hommes en tenue. Oui. D'accord, je vais revenir. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai demandé ça. L'Esprit de Dieu m'a amené ici, en terminale. Oui, et vous étiez avec George. Vous dites qu'il ne vous aimait pas. Il vous aimait dans tous les cas. Il vous aimait, vous l'aimiez aussi. Et vous l'aimiez. Bon, j'ai demandé que est-ce que vous avez peur du monsieur avec qui vous êtes? N'ayez pas peur, c'est votre passé. Un homme ne peut pas juger une femme sur son passé. Et une femme ne peut pas juger un homme sur son passé. Lorsque tu rencontres une personne avec qui tu veux partager ta vie, son passé ne doit pas être un problème. Parce que tu n'étais pas là. Ah. Regardez, look, je veux vous bénir. I want to bless you. Je veux vous bénir. I just want you. To bless you. Je veux juste vous bénir. Je veux vous bénir. I want to bless you. Quand je vous vois, when on I doit prier you, avec vous. We have to pray with you. Quand je suis arrivé en classe, dans votre salle de classe, in your classroom, j'ai commencé à voir les gens. Started seeing people. J'ai commencé à voir les élèves en train de sortir. J'ai vu une fille qu'on appelait Salomé. I saw a girl called Salomé. Oui, j'ai vu une fille, une camarade de classe à vous, en terminale, qu'on appelait Salomé. Salomé. Et cette Salomé, and that Salomé était un peu comme la miss de votre classe. Was like the miss of your class. Et ça me suivait. Oui, daddy. Oui, daddy. En fait, elle aimait se faire miss et elle mettait tellement de bijoux quand elle venait en classe. Elle se faisait franchement belle en classe. Elle se faisait? On l'appelait comment? How was she called? Salomé. Vous savez? Oui, daddy. Do you know? Oh. Ce n'est pas Facebook ici. Hein. It's not on Facebook here. Ce n'est pas Facebook. It's not Facebook. Regardez. Look. Quand vous étiez en terminale, Salomé était une fille bien. Est-ce que vous comprenez? C'était une fille que tout le monde aimait. C'était une fille, la diva, dans votre classe. Certains élèves l'appelaient la diva. Les filles ne l'aimaient pas parce que les filles disaient,
qu'elle se vantait beaucoup, qu'elle se prenait la tête. Oui, daddy. Vous aviez un prof de maths qu'on appelait Monsieur Marc. You have a mathematics teacher called Mr. Mark. Vous aviez un professeur de maths qu'on appelait Monsieur Marc. Et cet homme que j'ai dit est tombé amoureux de Salomé. Et il a commencé à sortir avec Salomé, votre camarade de classe. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est ce qui s'est passé entre Georges, Salomé et vous. Oui, daddy. Hey. Attendez. Wait. Détendez-vous. Relax. C'est quoi? Vous avez peur? C'est quoi? Are you afraid? What's going on? Je sens ma victoire, daddy. Ah? Je sens l'heure de ma gloire, daddy. Elle dit quoi? Elle sent l'heure de la gloire. Oh, j'aime ça. Elle sent l'heure de la gloire. She feels the hour of glory. Regardez. Look. Ce que je veux vous dire, ce n'est pas pour vous amener à changer quoi que ce soit. Vous comprenez? Lorsque vous étiez avec, vous étiez en classe, George vous aimait. Was in love with you. Il vous aimait. He loved you. Oui. Il vous aimait. He loved you. Et si l'Esprit de Dieu me dit que tu étais amoureuse de quelqu'un, toi tu dis que non, you may say no. Je dois croire qui? Who should I believe? Celui qui m'a appelé. He that calls me. Yes. N'ayez pas honte, n'ayez pas peur. C'est don't votre be ashamed, passé. Don't be afraid, it's your past. L'homme, si, regardez. Look. Madame, est-ce que vous êtes prête pour la prophétie? Je suis prête pour la prophétie, daddy. J'en ai tellement rêvé. Quand on reçoit la prophétie, on n'a pas honte. When we receive prophecy, we are not ashamed. Je suis amoureux. Nous tous là, on est des anciens amoureux. All of us, we are old in love. Qui n'a jamais aimé? Who never, hein? Who never loved? Qui n'a jamais aimé? Who has never loved? Ce n'est pas ça. Is it not that? C'est pas ça. Is it not c'est that? Ça, papa. Ah. Lorsque vous étiez en classe, écoutez-moi. Class, dans votre salle de classe, lorsque le Seigneur m'a amené, et j'ai vu la salle de classe, and I saw the classroom, et je suis entré dans votre salle de classe, and entered in your classroom, je suis entré, j'ai vu une barrière. I saw a gate. J'ai vu une barrière. I saw a gate. J'ai vu une clôture. I saw a je suis entré par la clôture. And I entered quand je suis entré dans la clôture, j'ai vu la cour de l'école. I saw the et j'ai vu votre bâtiment quand on entrait du côté droit. Hein? Oui, du côté droit, à côté, collé à la barrière. Oui, je suis arrivé et je suis arrivé, c'était un long bâtiment comme ça. Oui, quand je suis arrivé, c'était un long bâtiment comme ça. Et ce côté, votre bâtiment, votre école, votre établissement, était sous forme de U. Si, c'est vrai. Hein? C'était sous forme de U. Vérité, votre bâtiment était ici. Et il y avait le bloc administratif vérité, ici. Et en face de l'autre côté comme ça, vérité, c'était les autres classes qui étaient alignées. Je suis arrivé, quand je suis arrivé dans la barrière comme ça, j'ai regardé à droite, j'ai vu votre salle de classe et je suis arrivé. J'ai compté la première salle de classe. Je l'ai laissée. La deuxième, c'était votre salle de classe. Je suis entré là-bas. Zamita ou Dalferos men adresto. Garnita min aida. Wa Iasmani Faluki. Quand je suis arrivé, when I reached there, j'ai vu ce qui se passait là-bas. I saw what was going on there. Et Dieu m'a dit qu'il y a eu une erreur dans the votre Lord vie quand vous étiez en terminale. When you were in opposite. L'homme si, this man, George si, this George était une bénédiction pour vous. Was a blessing for you. En terminale, vous avez une amie qu'on appelait Claire. You had a friend called Claire. Hein? Vous avez une amie qu'on appelait Claire, a friend called Claire qui s'entendait avec George. She was in peace with George. Et George lui avait dit and George told her qu'il était amoureux de vous. He was in love with you. Et Claire vous en a parlé. And Claire, elle vous a demandé que, quand tu vas George, tu penses quoi de lui? What do you think about George? Wow. Il est intéressé he's par toi. In you. Vous avez souri. You smiled. Vous avez souri. Elle vous a demandé, tu ne dis rien. She asked you, say parce que nothing. Sur votre banc, vous étiez assise bench, avec une fille. You were sitting with a girl, Madeleine. Madeleine. Qui est aussi votre camarade de classe. Also your classmate, et c'était votre voisine de banc en terminale. Voisine de gauche. D'accord, voisine de gauche, d'accord. Your amen! Regardez. Look. Claire vous a dit, ah, non, regarde cet homme.
Il est gentil en classe parce que c'est un gars très sérieux en classe. On ne le voyait pas avec les filles. C'était quelqu'un de réglo. Ah non. Et vous avez souri. Vous êtes resté tranquille. Le gars-ci, finalement, s'est rendu compte que vous n'aviez pas son temps. Justement, papa. Hein? C'est la vérité, papa. Je n'avais vraiment pas ces idées-là. Et il est parti. And he left. Et il a pris. Chacha. C'est Charlotte, hein? Qu'on appelait Chacha. Chacha. Elle était comme l'adjointe au chef de classe en terminale. She was on les appelait juste délégués. On l'appelait délégué. D'accord. Donc, il est tombé amoureux de Chacha. Of Chacha. Et ils sont allés ensemble. And they went together. Maintenant, je vous pose une question. Oui, est-ce qu'il y a un moyen pour moi de connaître ces choses-ci ici à l'église? Non, je suis de classe de terminale. Non, Daddy, non, Daddy, ça fait longtemps. C'était depuis 2005. Très longtemps. L'homme ci que vous avez rejeté this man you rejected. Était votre couronne. C'est votre couronne. Vous êtes dans une relation maintenant. You're in a relationship mais vous n'êtes pas en paix. But you're not in peace. Vérité, papa. Vous êtes en train de penser partir. Vous hésitez. Vérité, vous êtes hésitante. You are hesitant. Parce que vous n'êtes pas convaincu à cause des choses que vous êtes en train de découvrir. Vérité, l'homme avec qui vous êtes vérité, maintenant. Vérité, Daddy. Vérité, Daddy. C'est la stricte réalité. Laissez-moi choquer la femme-ci. Let me shock this woman. Et quand vous êtes dans les soucis, and when you are in worry, le monsieur voit la télé. Does the man watch the non, TV? Il n'est même pas connecté, il est à l'est. Amen. Il n'y a même pas la lumière là-bas. Que Dieu l'aveugle là. May Dieu God le rende. Parfois, vous êtes resté. Sometimes you stay. Vous avez pensé à George. You thought about George. Vous avez pensé. Assez souvent, j'y pense. Vous pensez à lui. Qu'est-ce qui s'est him? Passé? What happened? Pourquoi je l'ai laissé? What est-ce que I je n'ai pas him? Commis une erreur? Have I not committed a mistake? Une grave erreur. Est-ce que ce que j'ai dit est vrai? C'est vrai, it's c'est what vrai, I papa. Say true. Amen. Jesus. Si vous n'êtes pas un prophète majeur, if you're not a major prophet, les brebis peuvent vous induire en erreur. May lead you into mais moi, but I, Dieu m'a dit dans une vision, God told me in a vision, si je te dis, if I say unto dis you, à quelqu'un qu'il a six doigts, tell somebody he has six il fait comme ça, and makes it like this, tu vois cinq, you see five, insiste. Le sixième va sortir. The sixth one will come out. Elle nous a dit quoi? She told us what? Que quoi? What? Qu'elle n'aimait pas George. Comment tu peux penser? How may you think? Plus de 10 ans après, more than 10 years à un homme que tu n'aimais pas. Il ne faut pas avoir honte, mes amis. Don't be ashamed, my friend. La prophétie, c'est pour ta bénédiction. Prophecy n'est pas honte. Blessing. Don't be ashamed. Regardez. Look. Dieu me dit de vous dire ceci. God asked me to tell you this. Vos entrailles sont combattues. Your wounds are oppressed. Ces entrailles sont combattues. Her la femme are... Vous me suivez? Oui, Daddy, je me? J'ai dit quoi? What did I mes say? Entrailles sont combattues. Jesus. Les sorciers. Que Dieu les juge. May God judge them. Que Dieu les juge. May God judge Amen. Them. Que Dieu les juge. May God Amen. Judge them. Le monsieur avec qui vous êtes là, ça fait combien de temps? Ça fait well, déjà. 13 ans. Ça fait 15 ans. 15 years que vous êtes ensemble. Oui, that you're together. Votre dernier enfant, quel âge? How old is your last kid? Demi a 3 ans déjà. 3 ans. 3 years today. Jesus. Depuis vous n'avez pas d'enfant, pourquoi? Why don't you have any parce que child je again? Ne veux plus tellement serrer cette relation. Depuis qu'il est arrivé à Bonbon, il est devenu un cauchemar pour moi. Depuis? Quand l'a affecté à Bonbon, il est devenu un cauchemar pour ma vie. Mm-hmm.
On va prier pour vous. We will pray for you. Amen. Merci, Daddy. Qu'est-ce que vous voulez? What do you want? J'ai besoin d'avoir un travail, un très grand poste à l'Union européenne. J'attends cela depuis 2 ans, sans suite. Za in halo minota nos pasteramiwa in akromen dasto. Je veux prier pour vos entrailles d'abord. Pray for your wounds first. Et je veux prier pour votre carrière. And I'll pray for your career. Est-ce qu'on veut prier que Dieu lui ouvre cette porte ce matin? Amen. Mets-toi debout, tends la main vers notre soeur. Commence à prophétiser. Begin to prophesy. Qu'elle trouve un emploi à l'Union européenne. S'il te plaît, commence à déclarer. Comme tu pries, toi aussi l'Éternel te bénit. Dans le nom précieux de Jésus. Zrashman ifras man krazo. Belta udemin wa inesparos. Ena udadi filazo bina ugalfonos. Entramita wa in aspraven. No kres. Au nom de Jésus, on a prié. In Jesus' name we pray. Père, Father, mettez la main sur votre ventre. Put your hands on your womb. Le ventre de la femme si this woman's belly n'est plus à sa place. Is no longer in the place. Je vous dis la vérité. I tell you the truth. Ce n'est pas que vous ne voulez pas accoucher. Il y a un problème spirituel. There's a spiritual problem. Sur le ventre si. About this belly. Vérité d'Adi. Ne dites pas vérité pour don't dire. True, je le dis. Vous révèle. Ce n'est pas que vous avez utilisé des moyens de contraception. Ou que vous utilisez le préservatif avec le père de even vos enfants, you non. With yours, il y a quelque chose qui ne va pas. There is something not going on. Je prie pour ça. I pray for that. Je veux un peu éclairer, Daddy. Quand je vais un peu éclairer quand je suis enceinte de la dernière, il y a la petite, la femme que mon mari sort à bonbon, elle est venue en esprit. Dans la nuit, elle m'a enfoncé les ongles très longs dans le ventre pour prélever l'enfant. Ce qui fait que l'accouchement était tellement difficile. Et depuis ce jour, je n'ai vraiment plus d'intérieur. J'ai dit quoi? La sorcellerie. Witchcraft. Dis à ton voisin, la sorcellerie. Tell your neighbor, witchcraft. Qu'est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? What do you want God to do for you? Je veux un travail à l'Union européenne. Oui, sur le plan professionnel, on comprend. Sur le plan sentimental, qu'est-ce que vous voulez? Que le Seigneur me donne un homme digne. Hein? Que le Seigneur me donne un mari idéal, en fait, tel que vous. Tel que moi? Un mari. Like me. Dieu vous donnera plus. God will give you more. Le père de vos enfants a un ami qui l'induit en erreur. Has a friend. Qu'on appelle ça Apollinaire. C'est un collègue à lui. He's a colleague. Et c'est ce monsieur qui l'amène dans ce qu'il fait là. Taking him in what he does. Vous comprenez? C'est ce monsieur qui l'amène dans ce qu'il is fait. Man leading him. Et il y a un danger auquel il est en train de vouloir exposer sans le savoir votre famille. Est-ce que vous comprenez? Il y a un danger, sa santé, il faut faire attention. Faites attention à sa santé. Faites attention, parlez-lui. Dites-lui que ce que tu fais n'est pas bien. Vous comprenez? Dites-lui ça. S'il vous plaît, dites-lui ça. Please, tell him about it. Et faites des bilans de santé, c'est important. And do your check-up, health check-up. Faites bilan de santé. Demandez-lui aussi de faire un bilan de santé. Parce que alors je parle, j'ai vu une femme derrière lui. As I speak, now, qu'on appelle Marie. A woman behind him called Marie. Une jeune femme qu'on appelle Marie. Derrière lui. Marie. Et c'est pas une bonne femme. She's not a good woman. Vous pouvez lui parler. Oh. Je vais lui parler, him. Papa. Parlez-lui. N'appelez pas mon nom. Don't call my name. Dites-lui. Tell him. Dites-lui. Tell him. Que j'ai une vision. That I had a vision. J'ai vu une femme. I saw a woman qu'on appelle Marie. Called Marie. Depuis qu'il est arrivé à Bonbon, cette femme m'a déjà tellement persécuté au point où, quand j'ai commencé mon stage à coup d'appel, je suis allée lui porter plainte à cause des messages de menace qu'elle m'octroyait. Quelle femme? Une certaine Marie Conto. Marie Conto. Il y a un esprit derrière lui. There's a spirit behind him. Dites-lui ça que j'ai dit ceci.
tell him there's a spirit. Là, vous pouvez appeler mon nom. Oui, now you can call my name. Dites au père de vos enfants. Tell your que j'ai dit. Your children that I said. Avant de vous connaître. Il sortait avec une fille qu'on appelait Evelyn. C'était son ex. Alvin. Hein? Alvin. Non, pas Alvin. Evelyn. Not Alvin. Pas Alvin. Evelyn. Evelyn. Et c'est l'une des filles qu'il a le plus aimé dans sa vie. Demandez-lui Evelyn. Ask him about Evelyn. Il va vous raconter. And he will tell you. Cette Evelyn, juste aujourd'hui, le poursuit spirituellement. Is pursuing him spiritually. Poursuit spirituellement. Spiritually. Que Dieu vous accorde au-delà de ce que vous désirez. Beyond what you desire. Dans le nom souverain de Jésus. In the sovereign name of Jesus.